Il est très tôt maintenant. Moi, je vais m'exprimer en tant que médecin directeur du SAMU social pendant 16 ans, ici à Bordeaux, et témoigner un peu des conditions de vie, catégorie des personnes à la rue, qui est une personne à la rue étant une population très hétérogène. Mais je vais parler là de ces 400-500 personnes qui sont invisibles, et essayer de vous dire quelque chose de leurs conditions de vie. Peut-être qu'eux-mêmes nous disent quelque chose de l'état actuel des rapports sociaux, de la place des institutions et de la peur de l'autre. Alors d'abord, peut-être rappeler un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours bien connues de la réalité de leurs conditions de vie. Comme le disait l'un d'entre eux, la rue est une puissante machine à désosser les corps et les esprits. Survivre dans la rue est sans doute la forme la plus violente, la plus archaïque de vie, la plus régressive, où l'enjeu devient de pouvoir satisfaire quelques besoins fondamentaux, manger, déféquer, boire, et où les relations sociales servent à entretenir cette survie, ce qui ne va pas sans violence. La rue est une jungle féroce qui exclut toute forme de solidarité. L'insécurité est permanente. Des centaines de personnes ici à Bordeaux survivent dans les lieux les plus divers. Parkings, locaux poubelles, transformateurs électriques, bâtiments désaffectés, terrains vagues, sous des bâches, des cartons. Je l'ai déjà dit, ils sont le plus souvent invisibles. Ils se nourrissent de nos poubelles, de nos déchets. Ce qu'il redoute par-dessus tout, ce n'est pas le froid, contrairement à ce que nous laisse entendre, mais la violence directe de ceux qui viennent leur voler leur veste ou leurs quelques euros, violence de ceux qui courageusement cassent du SDF pour se venger de leur propre impuissance, violence des regards. Survivre dans la rue est donc inimaginable, intolérable. Il a bien fallu, pour penser cette condition et s'en accommoder, fabriquer un mythe, celui du voyageur céleste cher à Kerouac, à l'esprit libertaire qui aurait choisi cette existence. Et nous continuons d'entretenir ce mythe. D'ailleurs, la conception historique du secours aux pauvres continue encore à inspirer les politiques publiques et les nombreuses interventions institutionnelles et caritatives. Mais la force d'un mythe, c'est aussi de nous faire accepter l'idée que toute tentative de les sortir de cette condition est vaine, puisqu'elle dépend de la volonté divine, et comme de plus elle est coûteuse, alors autant les ranger dans un espace où leur identification restera aisée. En même temps, ce SDF est devenu, dans notre système de représentation, la figure emblématique de la grande menace qui pèserait sur nos vies. Et avec l'invention des dispositifs hivernaux, le sujet central autour duquel les médias vont pouvoir réinventer la question de la mort à travers sa plus effrayante manifestation, mourir de froid. De Patrick Declercq, dont vous avez peut-être entendu parler, disait quelque chose. Le clodo est là pour nous enseigner cette terrible vérité, la normalité est sans issue. Sous le masque bienveillant de nos démocraties se cache cette totalitaire injonction « Citoyen sera productif ou lentement et sans bruit, mis à mort ». Qu'on ne s'y trompe pas, la souffrance des pauvres et des fous est organisée, mise en scène, nécessaire. Je cite toujours Declercq. La République tout entière verse des larmes de crocodile à la mémoire de nos chers disparus de la rue. Clodo vivant embarrassait, voici son cadavre garanti pur, misérable, hypothermique, déclaré d'utilité publique. Ben oui, c'est comme ça que depuis 2003, des experts, des hauts fonctionnaires, énarques, ont longuement réfléchi et fait cette étonnante découverte que l'une des caractéristiques des climats tempérés, c'est qu'il fait chaud l'été et froid l'hiver.
et ils ont trouvé un remède audacieux dont ils ont le secret en créant un dispositif pour l'été et un pour l'hiver. Enfin, une politique sociale qui est fondée sur, et de l'hébergement et du secours qui est fondée sur le thermomètre. Imaginons que cette mesure s'applique au salaire, aux prestations sociales, et qu'on décide que lorsque la température est au-dessus de 20 degrés, eh bien, on vous attribuera telle aide financière, et lorsqu'elle est en dessous de telle température, on vous la supprimerait, ou alors, voilà, on pourrait diversifier toutes les, ce qui aurait évidemment un intérêt extrêmement avec beaucoup d'humour pour le supporter. Ainsi, chaque année, se mettent en place des dispositifs destinés à isoler ces personnes dans des lieux de mise à l'abri qui sont installés généralement à la dernière minute, dans l'urgence de la pression météorologique, où les personnes ne pourront pas nécessairement bénéficier des conditions sanitaires élémentaires, dans une promiscuité telle que les rapports entre eux deviennent rapidement insupportables et dont ils ne pourront bénéficier que nuit par nuit, ce qui les oblige dès le matin à rechercher un abri pour le soir. En fait, ce film se répète depuis de nombreux siècles et on n'a pas beaucoup bougé. Je n'ai pas le temps de m'étendre ici sur toute la question de la domiciliation qui a toujours fait l'objet au cours du temps de précautions particulières. On ne veut pas les pauvres chez soi, retournez d'où vous venez. Et ce qui explique aussi les nombreux arrêtés anti-mendicité pris ça et là qui ont pris aujourd'hui sous des formes beaucoup plus subtiles. Je vais être obligé de couper dans tout ce que je souhaitais vous dire. Voilà. Alors, revenir que sur la logique des politiques publiques. Depuis de nombreux siècles, le pénal et les communes ont transformé l'homme à la rue en vivant disparu, ce que l'on appelle une relique. Lisez à ce propos les travaux de Jean-François Lahaye, L-A-E. Qui sont extrêmement passionnants. La relique est ce qui, du mort, est conservé pour garantir au nom de la réalité qu'il ne reviendra pas. L'homme à la rue représente pour les institutions cette toute-puissance des disparus que l'on conserve en enterrant les morts, parce qu'il recueille dans la matérialité d'un reste familier l'étrange force d'une présence disparue. L'individu est séparé de tout sans que pour autant on renonce à s'en séparer. Des institutions d'hébergement, quelques centres de soins, quelques repas, des couvertures, quelques vestiaires rappellent son droit de nécessité et le désir de conserver quelque chose de ce dont on se sépare. S'il y a des politiques sociales à l'égard de l'homme de la rue, ce sont des politiques de conservation. Il s'agit désormais de le faire vivre avec des habitudes hors du monde ordinaire. La relique réalise ce compromis illusoire dont les institutions se servent pour résister à une totale disparition en maintenant en vie ce souvenir, en faisant qu'il reste en vie, c'est-à-dire qu'il se conserve. L'extrémité d'une politique sociale, c'est l'aménagement de la conservation de l'homme perdu, l'organisation de services élémentaires pour protéger du froid, de la faim, de l'alcool et de la maladie mortelle, celui qui reste en vie. D'où la pratique rituelle, des institutions qui s'attachent savamment à trouver à l'homme à la rue une utilité, fragments d'activité, lambeaux de manière de table, se lever le matin pour sortir du foyer, changer ses vêtements et ses draps, soigner ses dents, réparer ses plaies. Hors d'un usage commun, les institutions maintiennent le culte de la communication à travers le contrat d'insertion et le culte de la réciprocité en aidant à payer quelques euros la nuit. Formidable rituel qui tient à cet homme disparu en le maintenant visible, en évitant l'intolérable, sa réelle disparition. L'esprit de l'homme de la rue est intouchable. C'est sans doute notre intouchable des temps modernes.
Autour de cet intouchable s'organise une conservation matérielle au sens radical du terme, au sens où l'homme à la rue doit être rejeté hors de toute représentation. Cet attachement matériel est un substitut au savoir de cette réalité. Il n'est plus qu'un reste. D'ailleurs, si de nombreux médecins refusent de les soigner, cela confirme bien la prohibition relative au toucher. Ce sont de véritables intouchables. Ils ne ressentent plus rien dans leur corps. Comment soigner une souffrance pour sauver quelque chose qui n'existe pas? Mais comment tolérer une plaie béante? Terrible verdict de la réalité, il ne peut plus se souffrir. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, quand nous avons créé le SAMU social, nous avions annoncé que nous étions là pour sortir les gens de la rue et non pas pour les maintenir dans cette invisibilité. C'est ce qui nous a amené aussi, dès le départ, à privilégier la parole et à refuser de distribuer des cafés et des couvertures comme le font un grand nombre d'acteurs. Les difficultés que nous avons rencontrées, effectivement, malgré tout, viennent du fait que l'altération du temps social des personnes rencontrées rend totalement inefficient le fonctionnement du temps institutionnel. Les premiers contacts avec eux ne sont jamais réellement maîtrisés. Les relations sont fragiles. Elles sont l'occasion d'exigences matérielles qui ne sont pas toutes dans la finalité de nos missions et de nos moyens. Le travail relationnel visait donc à gérer ce temps de passage dans sa brièveté, son incongruité, sa répétition, comme un temps d'écoute et de repérage. Chaque passage, chaque entretien introduisant de nouveaux éléments vécus ou biographiques. L'accueil devenait ainsi, dans la répétition des passages, une étape de l'itinéraire avant que nous soyons perçus comme un lieu repère à partir duquel pouvait s'organiser la continuité d'une relation, voire des soins. Cela viendra avec le temps quand l'accroche relationnelle permettait de structurer la demande. Cette relation de mise en confiance est quelquefois une épreuve pour l'équipe, qui doit apprendre à maîtriser sa propre angoisse, sa propre agressivité, sa désorientation. Pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure sur le clivage entre professionnel et non professionnel, nous avions d'emblée fixé la barre, nous, au niveau d'une intervention de professionnels, exclusivement de professionnels. Et nous souhaitions évidemment que ces professionnels soient les meilleurs des professionnels. Nous avions, j'allais dire, trois grands principes qui guidaient l'organisation de notre intervention. Le premier qui était la disponibilité à la relation. Le deuxième était la permanence de la relation. Et le troisième étant la capacité pour une équipe de réfléchir à sa pratique en permanence face à des personnes qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qui la relation est extrêmement difficile. Je ne vais pas pouvoir m'étendre parce que je vais entrer dans un débat très, très complexe sur la question de l'altérité et de la construction de l'altérité. Un grand nombre de ces personnes, et pour ne pas dire la très grande majorité de ces personnes, se sont repliées sur eux-mêmes et sont incapables de construire une relation à l'autre. Il n'y a pas d'altérité dans la rue. J'insiste sur cet aspect parce que lorsque j'entends quelquefois ce qui fait partie d'ailleurs du mythe du clochard qui existerait dans la rue des formes de solidarité comme ça entre eux, nous sommes toujours un peu surpris
de voir à quel point elle est impossible. Et si nous n'avions pas centré notre activité sur la question de l'échange, de la relation et de la parole, et si nous n'avions pas été accompagnés aussi par cette réflexion commune sur la nature de la relation que nous pouvions entretenir avec eux, je crois que nous n'aurions pas pu survivre à cette expérience.